Nous voulons t'écouter. Amen. Amen. Pendant que j'invite le pasteur, bienvenu à venir, nous allons acclamer très très fort. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour. Shalom, Église de Dieu. Shalom. Romains, chapitre 4, verset 17. 17 jusqu'à 25, pour une meilleure compréhension, mais ce qui nous intéresse plus ce soir, c'est le verset 17. Et le verset 18, 19 et 20. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Dieu appelle. D'abord, il dit Dieu, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu appelle des choses qui ne sont point, c'est-à-dire des choses qui ne sont point, qui n'ont pas existé, mais Dieu les appelle comme si elles étaient. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas encore compris. Je vais nous aider à comprendre. Dieu appelle à l'existence des choses qui ne sont point à exister. C'est-à-dire quelque chose qui n'a jamais existé. Mais Dieu dit que cette chose existe et la chose existe. C'est pourquoi j'ai dit tu vas prophétiser. Bien-aimé, ce soir, c'est une exhortation, je te mets seulement, comme on dit, la parole dans la bouche. Ce soir, tu vas appeler des choses dont tu as besoin, qui n'existent point, mais que tu veux que cela puisse exister. Mais par la parole, tu vas appeler cela à l'existence. Amen. J'ai besoin des hommes et des femmes de foi. Des personnes qui voient déjà, qui parlent. Est-ce que quelqu'un peut aller dans Genèse chapitre 1? La seule chose ou la seule personne que Dieu a créée par ses mains, c'était l'homme. Tout ce qui restait, Dieu les a créés par la parole. Je ne sais pas ce qui est écrit dans ta Bible, mais dans ma Bible à moi, on dit que la seule personne, la seule chose que Dieu a pris, c'était l'homme. Il a pris la poussière, la boue, il a formé l'homme, hein, il a soufflé. Mais tout ce qui reste, Dieu les a créés par la parole. Dieu a parlé. Est-ce que quelqu'un veut parler ce soir? Bien aimé, moi je suis là venu ce soir pour parler. Moi je vais parler sur ma vie. Genèse chapitre 1. Nous n'allons pas tout lire, mais je vais nous aider à comprendre seulement. Rapidement. Je fais la comptabilité pour nous. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 fois. Dans tous les premiers chapitres de Genèse, 9 fois, Dieu a parlé. Prenons quelques exemples. Verset 3. On dit, d'abord 2. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il n'y avait rien. La Bible dit il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ce que Dieu avait comme plan dans sa tête,
La Bible dit, ce que Dieu conçoit, il exécute cela. C'est-à-dire, Dieu avait un plan dans sa tête. Dieu avait des choses qu'il avait déjà conçues dans sa tête. Maintenant, c'était la phase de l'exécution. Pour exécuter cela, Dieu n'a utilisé que la parole. Oh, dis à ton voisin, ta voisine, dis, Dieu n'a utilisé que la parole. Oh, répondis-lui, Dieu a parlé, Dieu a parlé, Dieu a parlé. Il dit, verset 3, Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Hey, alléluia. Il appelle à l'existence des choses qui n'existent point, comme si elles étaient. Il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dis-moi où est-ce que Dieu est allé prendre la lumière pour fabriquer la lumière avec ses mains. La parole. Deux. Et là, c'était le fil, c'est fut le premier jour. Verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. La Bible dit, et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec avec les eaux qui sont en dessous de l'étendue. Et cela fut ainsi. Cela fut ainsi. Verset 9, Dieu dit. Verset 11, puis Dieu dit. Verset 14, Dieu dit. Verset 20, Dieu dit. 24, Dieu dit. 27, Dieu créa l'homme à son image et créa à l'image de Dieu et il créa l'homme et la femme. Amen. Hein? Au verset 27, on dit Dieu créa. Mais les autres là, on a dit Dieu dit. Dieu a parlé. C'est-à-dire des choses qui n'ont jamais existé, Dieu les a appelées à l'existence par la parole. C'est ce que nous dit Romains chapitre 4, verset 17. Il dit à Abraham que Dieu donne la vie aux morts. Et il appelle à l'existence des choses qui n'existent point comme si elles étaient. Et cette parole-là, Dieu a déposé cette parole en toi. Bien-aimé, en toi, il y a la parole créatrice. Bien-aimé, en toi, il y a la parole transformatrice. Bien-aimé, en toi il y a la parole restauratrice. Oh, alléluia. En toi, il y a la parole qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas à exister. J'aimerais dire à une personne qui a besoin du mariage, tu peux appeler ton mariage à l'existence. Bien-aimé, je ne sais pas ce dont toi tu as besoin. Oh, j'aime ça. Dieu a sa part, tu as ta part. Et Dieu a déposé cette parole en toi. Allons dans 1 Pierre. Rapidement, parce que nous allons prier. On n'a pas assez de temps. 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Bien-aimé, cette parole est en nous. Nous avons été régénérés par la parole de Dieu. Par une semence, la semence incorruptible, c'est la parole de Dieu. La semence incorruptible, cette semence vivante, bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Et cette parole est en nous. Tu as cette parole-là. Je vais te donner deux exemples seulement. Il y en a tellement beaucoup dans la Bible, mais on n'a pas le temps. On doit prier. Je te donne deux exemples. Il y a des personnes que Dieu a utilisées. Dieu a utilisé. Ézéchiel, dans Ézéchiel 37. On n'a pas le temps de lire ça, tu vas lire à la maison. Ézéchiel 37. Quand Dieu prend le prophète Ézéchiel, il dit à Ézéchiel de prophétiser. Il dit, fils de l'homme, prophétise sur les ossements desséchés. C'est-à-dire, Dieu savait que Ézéchiel en lui, il y avait la parole créatrice.
qui pouvait appeler à l'existence ces ossements qui étaient desséchés à revenir à la vie. Les ossements étaient desséchés. N'abonnons bien lingala et kauka. Il n'y avait rien. Mais par contre, ces ossements étaient une grande armée d'Israël. Il dit, fils de l'homme, parle, prophétise. Bien aimé, prophétiser veut tout simplement dire, déclarer ce qui doit arriver. C'est-à-dire, toi comme tu es là et moi, nous avons le pouvoir de déclarer ce qui doit arriver. Prophétiser, c'est parler, prononcer, déclarer sous l'inspiration divine. Mais que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu a à sa disposition tout. Et il a mis tout entre tes mains. Mais il veut à ce que toi maintenant tu puisses appeler. Mais n'est-il pas écrit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue? Par ta parole tu seras justifié, par ta parole tu seras condamné. C'est la parole. C'est-à-dire par ta bouche, tu peux communiquer la vie, par ta bouche tu peux communiquer aussi la mort. Oh bien, mais qui veut prophétiser? Moi, je suis le premier. Qui veut prophétiser? Qui veut prophétiser? Qui veut prophétiser? Bien, mais nous allons appeler. Moi, je ne vais pas appeler à ta place. Moi aussi, j'ai mes dossiers. Moi aussi, j'ai mes problèmes. Moi aussi, j'ai mes dossiers. Je veux aussi appeler cela à l'existence. Personne ne fera pour toi. Ézéchiel a parlé. Ézéchiel a parlé. Ézéchiel a parlé. Bien aimé, c'était des eaux desséchées. Mais par la parole d'Ézéchiel, la chair a poussé sur les eaux. Après la chair, c'était des nerfs. Après les nerfs, c'était la peau. Et c'était des êtres vivants. Mais il manquait une chose. C'était des êtres vivants. Mais il manquait une chose. Il manquait l'esprit de vie. Il dit, fils de l'homme, souffle. Et l'esprit a soufflé des quatre vents. C'était devenu des hommes. Tout ça par la parole. Je prends l'exemple d'une dernière personne. Jérémie. Bien-aimé, j'aimerais que nous tous nous puissions lire cela et que la réponse que je vais poser puisse venir de l'assemblée. Quelqu'un va nous aider à répondre sur ce que Dieu dit à Jérémie. Est-ce que il doit avoir les armes, il doit avoir les matériaux. Je ne sais pas, qu'est-ce que Jérémie doit avoir pour faire ce que Dieu lui a appelé à faire. Jérémie chapitre 1, versets 9 et 10. Rapidement. Versets 9 et 10. Jérémie chapitre 1, verset 9 et 10. Je lis rapidement. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Maintenant, je pose la question. Jérémie devait faire tout ce que Dieu lui a dit là. Planter, abattre, détruire, ruiner, ruiner. Avec quoi? Avec quoi? Avec la parole. Bien aimé, la parole a un pouvoir. La parole a un pouvoir. C'est nous les enfants de Dieu qui négligeons le pouvoir ou la puissance de la parole. Les sorciers connaissent bien ce secret-là. Quand ils viennent envoûter, ils ne viennent pas, ils ne viennent pas. Des fois, ils ne viennent pas présentement. Là où ils sont, dans leur loge, là où ils sont dans leur réunion, c'est la parole seulement. Ils libèrent une parole. Ils libèrent seulement une parole.
Mais toi, tu vis les conséquences, toi, tu vis les effets de cette parole-là. Dieu dit à Jérémie, je te regarde, je t'établis. Il met d'abord la parole dans sa bouche. C'est-à-dire, Dieu lui met la parole. Comme moi, je t'aide seulement à avoir la parole dans la bouche. Dieu met Jérémie la parole dans la bouche. Le reste, c'était son problème. Alléluia. Le reste, c'était à Jérémie de faire. De faire quoi? D'arracher, d'abattre, de ruiner, de détruire, de bâtir et de planter par là la parole. La parole. Mais quelqu'un peut parler ce soir. Appeler. Dieu ressuscite les morts. Bien aimé, il y a tant d'exemples dans la Bible comme ça, tu verras que même quand Jésus libérait certaines paroles, les personnes n'étaient pas, d'autres étaient guéries instantanément, d'autres n'étaient pas guéries instantanément. Mais Jésus avait déjà libéré la parole. Prenons l'exemple rapidement en passant de ces lépreux. Ils étaient 10, sont venus au Seigneur. Le Seigneur leur dit, allez vous laver dans le puits. Ils partaient. Ils partaient. Quand ils partaient, ils avaient encore la lèpre. Mais Jésus avait déjà libéré la parole de guérison. C'est en marchant qu'ils ont constaté que la lèpre était partie. Que l'un d'eux est retourné voir le Seigneur pour le remercier. Il y a des personnes dans la Bible où Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. Il a libéré seulement la parole. Il y a beaucoup d'exemples comme ça dans la Bible, Jésus n'a pas touché. Jésus libère la parole. Il libère seulement la parole, va, ta foi t'a sauvé. Et la personne part, et elle est sauvée. Acclamons le Seigneur. Il est merveilleux. Maintenant, c'est Jésus qui disait, va, ta foi t'a sauvé, tu es guéri. C'est Jésus la vie en toi. C'est Jésus là est en toi. Il vit en toi. Comme on dit dans Pierre, cette parole vivante, cette semence qui nous a régénéré est en nous. Est en nous. Lèvons-nous, nous allons prier.